Ouais, ça va? Oui, toi? Allô, allô! Bon matin officiellement, ben bon midi. Il est midi et 6. Donc ça confirme que ça prend vraiment 8 minutes aller jusqu'au bout de la rue parce que dans le fond, là, on est sur l'heure du dîner. Finalement, on est bel et bien le lendemain de la dernière fois que je vous ai vlogué. Fait que j'ai décidé que, tu sais, j'allais ouvrir le vlog, puis que si je le finis pas aujourd'hui, je le finirai demain, puis c'est pas plus grave. Mais c'est ça, ce matin, je travaillais, évidemment, puis j'ai pas arrêté, même pas 2 secondes, même pas me faire un smoothie, là. Genre, j'ai clenché ça. Puis là, ben, on est rendu l'heure du dîner. Fait que je vais prendre 1 heure, dans le fond, comme je prendrai pas de pause cet après-midi non plus, puis je vais flyer ça jusqu'à 4h30. Fait que. Je vais pouvoir prendre 1 heure ce midi. Puis c'est ça, c'est que j'ai été marcher. Fait que là, je suis revenue, puis il est 6. Fait que ça m'a pris 8 minutes aller-retour. Fait que pour vrai, certains diront que c'est pas une longue marche. Effectivement, mais je marche vite. Genre, j'étais essoufflée. J'avais oublié de mettre des mitaines d'ailleurs, ça paraît-tu. Fait que c'est ça, je vais jusqu'à la boîte aux lettres dans le fond, puis je reviens. Fait que j'y vais d'un bon petit pas. Puis tu sais, c'est assez pour que j'aille chaud quand je reviens, mettons. Fait que c'est pas la grosse activité physique, mais au moins, ça me fait une petite coupure entre la matinée puis l'après-midi. Puis je vous l'avais dit là, que je voulais reprendre l'habitude d'aller plus marcher à l'extérieur. Pas parce que c'est la nouvelle année, là, mais juste parce que ça fait du bien comme je suis en télétravail. Fait que les journées que je suis en télétravail, d'essayer de m'activer un petit peu. J'ai aussi, avant ça, été partir une brassée. Fait que certains diront que le télétravail, c'est comme plus peinard. C'est sûr que, tu sais, je peux me lever comme plus tard parce que j'ai pas de route à faire. Puis quand je finis, je suis tout de suite chez nous. Fait que c'est sûr qu'il y a du temps à économiser. Par contre, tous mes temps d'arrêt, mes pauses et tout, je fais tout le temps quelque chose quasiment. Genre, sinon, je me sens. Ben, pas je me sens mal, mais tu sais, je me dis, je suis ici. Là. Fait que, tu sais, partir de me brasser, ça prend 5 secondes. Fait que je fais ça avant mon dîner ou dans ma pause d'après-midi ou peu importe, tu sais. Fait que je me dis, c'est une petite affaire qui prend pas grand-chose puis qui fait en sorte que j'en ai moins à faire à la fin de la semaine, là, mettons. Fait que c'est ça aussi. Ce soir, ce soir, je m'en vais faire mes styles. Ah, d'ailleurs, c'est vrai, on veut manger des sushis à soir. Fait que faut pas que j'oublie d'appeler pour les faire préparer. Faut vraiment pas que j'oublie. Mais en tout cas, là, je vais commencer par dîner. Je sais pas exactement ce que je vais manger. Bon, j'ai trouvé ce que j'allais dîner. Ça sera pas la grosse gastronomie. J'avais acheté ça pour ma fête, puis je viens de me rendre compte, on les a jamais. Je viens pas de me rendre compte, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le ménage du congélateur, qu'on n'avait pas mangé les fondus parmesan encore. Fait que je pense que je vais me faire genre 2 fondus parmesan, 1 ou 2. Je sais pas, hein. En tout cas, je vais penser à ça. Dans le air fryer, ça va être vraiment, vraiment moins long. Oh my god, 5 minutes dans le air fryer, c'est vraiment pas long. Avec la moitié d'un petit sachet de riz basmati, puis je vais me faire une salade de piment et tomates. Comme petits légumes. Fait que je vais starter ça tout de suite. Je vais me laver les mains avant. Mais ouais, ça va être un petit dîner bien rapide. Puis by the way, j'ai fini d'égraspiller ce matin en prenant ma douche. Ah oui, c'est ça. Dans le fond, hier, quand je vous ai laissé, je m'en allais dans la douche. Mais je me suis pas lavé les cheveux hier parce qu'ils étaient pas vraiment sales. Mais là, en étant dans la douche, genre je finissais là. J'ai réalisé que j'avais mes cils aujourd'hui. D'habitude, c'est jeudi mes cils. Mais là, cette semaine, à cause que ma tech, elle part en voyage pour genre 3 semaines. Fait que ça va être mon dernier remplissage avant genre 3 semaines. Pour vrai, je vais capoter. C'est sûr, je vais capoter. Puis en plus, je log pendant ce temps-là. Fait que je vais vouloir comme m'arracher la tête. Ça a l'air vraiment superficiel, là, dit de même. Mais je sais que ça va être comme dans ma tête, là, genre ça va comme me démoraliser là, que mes cils soient pas faites. Mais tout ça pour dire que j'ai réalisé que je m'en allais faire mes cils à soir au lieu de jeudi. Fait que là, j'étais comme, oh my god, faut que je me lave les cheveux. Mais là, tu sais, j'avais fini ma douche hier, ça me tentait zéro de me laver les cheveux. Fait que finalement, je me suis levée ce matin puis je les ai lavés ce matin. Fait que c'est pas plus grave, là, au moins c'est fait. Fait que je vais être good pour pas mouiller mes cheveux pendant les 2 prochains jours, mouiller ma face pendant les 2 prochains jours. Fait que c'est ça, je vais me faire à manger vite vite. Je vais essayer de vous montrer de quoi ça a l'air si j'y pense, parce que j'oublie tout le temps. Puis ben, je vais vous reparler un petit peu plus tard. J'avais pas réalisé à quel point ils étaient mini, les fondus. Genre, sont plus petites que les fondus carrés d'habitude. Fait que je vais en prendre 2. Ça confirme ma décision, je voulais juste vous dire ça. C'est sûr, ça a pas l'air hyper appétissant. En plus, on dirait que, oups, on dirait que j'ai full la vinaigrette dans mon truc à cause du nid des cœurs de palmier. Puis il se défend en plein de petits morceaux. Fait qu'on dirait que j'ai genre mis full de vinaigrette. En tout cas, c'est des cœurs de palmier avec des piments puis des tomates. Puis ici, ben, j'ai mon petit riz basmati avec du poivre parce que qu'est-ce que serait du riz basmati sans du poivre? Tu trouves ça a l'air bon? Avec mes 2 petits fondus parmesan qui sont full croustillantes, genre avec le air fryer. And guess what I'm watching? Je suis vraiment excitée. C'est une fleur, là, Mais ouais, je pense qu'on est dans des fleurs en plastique. On est avec où est-ce qu'on s'en va, je trouve, là. Je trouve que ça fait vraiment high-end.
Bon, éclairage de marde! Je suis en route vers mes cils, il est 4h30, fait que c'est pour ça que l'éclairage est très très laid. Le soleil est en train de se coucher puisque nous sommes l'hiver au Québec. Excusez, j'ai comme la gorge vraiment sèche. Ouais, c'est ça! Fait que je suis en route vers mes cils. Dernier rendez-vous avant 3 semaines, comme je vous ai dit ce matin, ça fera pas de tort parce que quand on écoute Harry Potter avant hier, je me suis quand même joué d'un cils un petit peu en toute franchise. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé à ma défense. Mais je me suis joué d'un cils. Puis là, ben, à cause que je me suis joué d'un cils, ben là, c'est comme si j'ai starté quelque chose puis j'ai le goût de tout m'arracher les cils. C'est une vraie maladie. Je voulais comme juste vous keep update parce que je parlerai pas dans cet éclairage de merde pendant longtemps. Fait que je vais vous quitter puis je vais vous revenir avec mes cils frais faits. Puis après mes cils, je vais arrêter au Sushi X chercher les sushis. Puis je vais vous jaser tantôt. Bon, fait que je suis revenue de mes petits cils, fait que là, enjoy, parce que faut que je fasse 3 semaines. Mais là, ma technicienne, elle riait de moi, elle disait, c'est pas 3 semaines, c'est 2 semaines et 4 jours. Le 4 derniers jours va être long. Je le sais, je me connais. Fait que là, Gab est juste en avant de moi, parce que derrière moi, il a faim. T'as-tu faim? Fait que ça, c'est ma petite assiette à moi. Fait que moi, je prends toujours, toujours, toujours ça, qui est, eh bien, je te l'ai dit tantôt, ton épicé et basilic. Puis une autre affaire. Fait que ça, c'est toujours ma affaire. Puis là, ben, j'ai pris du haut de saumon. Puis j'ai pris ici le saumon torché, qui me fait toujours bien rire. Ensuite, ça, c'est le kayak à Gab. Fait que, ben, je sais pas c'est quoi exactement. Là, j'ai pas demandé. T'aurais-tu voulu que je demande? C'est comme un genre de choix du chiffre. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis on a chacun une petite mayo épicée. Fait qu'on va grignoter ça. T'as-tu goût qu'on écoute de quoi en... Ok, ben je vais vous reparler un peu plus tard ou demain, je sais pas trop, ça va dépendre de mon vibe. Mais ça va tellement être bon, la gang, si vous avez jamais été au Sushi X, vous manquez quelque chose. À quel point je suis laide en ce moment, sérieusement. Mes cheveux, ma tache sur mon chandail, genre ça va-tu? On a fini de souper, évidemment. Il est rendu 9h30. Puis, on écoutait les frères Scott en soupant. J'ai comme convaincu Gab d'écouter les frères Scott avec moi. Fait que, il est trop drôle parce que, tu sais, comme des gracies. Genre, tu sais, mon chum, il écoute vraiment pas de série, OK? Ça ne l'intéresse pas, là. Mais pas, là, à un autre niveau, OK? Genre, je pense, je l'ai déjà dit, là, qu'on écoutait Breaking Bad ensemble. Puis ça, tu sais, c'est pas si long comme émission, là. Puis ça nous a, genre, pris 2 ans, je pense, le finir. Ce qui est mon chum, là, genre... Il embarque pas dans les histoires, genre il s'en fout, genre il ressent aucun suspense, jamais. Là. Ça y fait rien, là, comme les émissions. Là. Ben, pas comme si les frères Scott avaient du suspense, ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais quand j'écoutais Degrassi pis tout, genre c'était trop drôle parce que, tu sais, je le pognais à écouter des fois, genre j'étais comme, t'es en train d'écouter, là. Pis il était genre, ah non, je m'en crisse, mais tu genre il écoutait quand même un peu, en tout cas ça me faisait rire. Fait que comme vous pouvez voir, je suis en train de me démaquiller au coton démaquillant. Je fais pas souvent ça parce que je considère pas que c'est un nettoyage adéquat considérant le maquillage que j'applique. Puis c'est aussi que comme vous pouvez voir, je viens fucking rouge. Fait que j'essaie de pas faire ça trop souvent. Dans le fond, je fais ça quand je viens d'aller faire mes cils. Je me nettoie le visage au coton. Puis après, je vais dans la douche comme ça, genre je suis sûre que je vais pas me mettre d'eau dans les yeux. Pis si je le fais pas, genre, pis que je me dis que je vais me démaquiller après ma douche, une fois sur deux, je me fous l'eau en face parce que, genre, j'oublie qu'il faut pas que je me mouille la face. C'est tellement gossant quand ça me fait ça, je suis genre, merde, je me suis mouillée la face. Parce qu'en fait, il faut comme t'attendre 48 heures après tes cils pour te mouiller le visage. Ben, je pense que c'est 24 à 48 heures, mais, tu sais, comme dans le meilleur des mondes, j'essaie de te faire 48 heures, là. Fait que le matin, c'est pas si pire, c'est déjà ce que je fais, laver mon visage avec des cotons. Genre, je prends pas mon gros nettoyant et tout pour le matin, comme en théorie, je me couche le soir avec un visage propre, puis que mon lit est propre. Fait que je fais un petit nettoyage rapide le matin. Mais le soir, d'habitude, c'est comme un gros clean-up dans la douche et tout. Fait que ça me gosse, honnêtement, quand je peux pas mouiller ma face, là. Genre, c'est sûr que je vais me sentir comme si j'étais pas propre, ça m'énerve. En tout cas, c'était vraiment bon, les sushis, puis j'allais dire Degrassi, mais les frères Scott aussi, c'est vraiment drôle parce que moi, j'ai pas écouté les frères Scott, genre, au début de mon secondaire, quand que c'était vraiment in. Je pense que je l'ai écouté, j'ai commencé à l'écouter chansonnaire 5, genre,
Puis tu sais, comme ça passait plus à télé, les FL, je me trouve les DVD, genre. Ou ça passait encore à télé, puis c'était juste rendu vraiment trop loin. En tout cas, je me souviens plus. Je l'écoutais comme j'étais plus vieille, on dirait. Puis j'aimais vraiment, vraiment ça. Parce que moi, j'ai joué au basket tout mon secondaire. Fait que on dirait, ben c'est sûr, je suis pas un gars, là, mais genre, j'étais comme. Je lui l'ai été vraiment. Remarque qu'il y a jamais eu de cheerleader à nos games de basket, là. Genre, far from that, là. Mais je me souviens que j'aimais vraiment ça. Que ça parle du basket et non du football, comme genre plein d'émissions américaines. Vous me direz d'ailleurs si vous écoutiez les Frères Scott, si vous étiez team Brooke ou team Peyton. Pour ma part, toujours été un peu mitigée. Genre, j'aime vraiment le côté comme lonely puis je m'en foutisse de Peyton. Mais j'ai toujours été genre fan de Brooke, genre la femme fatale, genre qui mûrit avec les saisons et tout, genre. Bon, fait que je vais essayer de pas me coucher trop tard. Gab s'en vient me rejoindre dans la chambre dans genre 30 minutes. On va boire un petit Baileys dans le lit. Ça me tente vraiment. Mon amie Justine, elle nous a donné, genre, elle m'a donné à ma fête du Baileys aux amandes. C'est tellement bon, là. Fait qu'on va sûrement boire ça. Je suis rouge, mon Dieu. Puis, je veux essayer de me coucher pas trop tard. Je veux vraiment travailler là-dessus parce que je veux me lever plus tôt. Mais je réalise que c'est difficile de me lever plus tôt si je me couche pas plus tôt. Fait que je veux vraiment, vraiment essayer de travailler là-dessus parce que ça a comme pas de bon sens, là. Je me couche ben trop tard. Fait que c'est ça. Puis demain, j'aimerais ça aller au laboratoire, mais je sais pas si je vais y aller parce que il annonce comme pluie slash neige, fait comme du genre de verglas. Fait que je vais juger de ça demain matin, voir de quoi ça a l'air à l'extérieur, puis ouais, prendre ma décision suite à ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ce vlog-là. Il va avoir été tout en simplicité, mais c'est aussi ça les vlogs. C'est le petit quotidien de Camille et aujourd'hui mon petit quotidien ressemblait à ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié malgré tout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi des questions pour mon Q&A à la fin du mois. Puis ben voilà, je te retrouve dans un prochain vlog. Bye tout le monde!